abidjanmedia.net. Ok, salut à vous. Je me nomme Major. Bientôt 10 ans de carrière dans les Zoulou. Lead vocal du groupe Major is Absol. Mais désormais en carrière solo. Pour des raisons diverses. Je suis l'auteur-compositeur pendant ces 9 années passées. Mon binôme a bien voulu se faire voir ailleurs, donc la rupture était tout à fait évidente. Parce qu'il est inimaginable que la tête que je suis, l'homme à tout faire que je suis, ne soit vilipendé à tort et à raison. Le comble, c'est que j'ai tout fait pour pouvoir déclarer mon binôme comme étant aussi auteur-compositeur, donc du coup bénéficiant des mêmes droits que moi, ce qui est d'ailleurs normal. Mais après qu'il ait eu ce précieux sésame qui est la carte de Belinda, il a oublié un voyage pratiquement en insu, sous prétexte qu'un oncle serait venu lui faire la proposition de partir à Pimpe pour 3 semaines. Est-il allé pour un tourisme? Je dis non. Certainement convaincu par certaines brebis galeuses du métier. Il est allé à Paris, sans doute, dans un gombo au nom du groupe Major Les Absol. Je m'étonne parce que si c'était Major, en tant que lead et chef de groupe qui était allé à Paris, toute la Côte d'Ivoire allait crier à la trahison. Mais je vous laisse le soin d'apprécier son attitude. Et donc vous comprenez que l'hypocrisie, la méchanceté et la jalousie, quand ces trois sont jumelés, ça devient un danger. Mais Dieu merci, très tôt il m'a alerté, il a éveillé mon esprit. Alors pour les mélomanes que vous êtes, je ne vais pas faillir à la tâche de toujours travailler et pour vous servir un album de qualité. Vous visiterez ce site avec lequel je suis en train de faire cette interview. Un site qui a déjà balancé l'un des sons sur le maxi single en cours. Je veux parler d'Atoto. En si peu de temps, je suis à 457 téléchargements. C'est suffisant, mais ce n'est pas suffisant parce que je sais que vous m'aimez et je sais pouvoir compter sur vous pour toujours travailler et vous faire plaisir. Alors, désormais, vous retrouverez Major en carrière solo de façon exclusive, de façon solidaire. Mais je veux aussi, à travers cette lucarne, dire merci à un monsieur qui m'a suivi de près pendant que j'étais produit par Nda Jean-François. Donc, ce dernier album qui a marqué véritablement notre dernière collaboration, ce monsieur, il s'agit de Del Piero, l'attaquant de pointe, l'un des meilleurs producteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous avons profité de sa bénédiction, de sa collaboration. Et aujourd'hui, à la faveur de cette rupture, ce monsieur m'a encore fait confiance. Parce qu'il savait de quoi j'étais capable. Il savait que j'ai toujours marché dans l'honnêteté. Il savait que j'ai toujours pris des coups. J'ai décidé de ne jamais faire du bruit dans le milieu. Mais à tous ces détracteurs, à toutes ces personnes qui ont dû écouter certaines choses, pas catholiques sur ma personne, j'ai dit qu'ils n'ont pas tort. Mais il est tout à fait normal parfois d'écouter de part et d'autre et de faire une synthèse. C'est ça l'esprit critique. La sagesse m'a recommandé de ne rien faire pour enrayer cette velléité-là venant de l'autre côté. Mais aujourd'hui, grâce à Del Piero, l'attaquant de pointe, le maxi single qui est encore en studio, dont l'un des titres est déjà disponible, je veux parler du titre Atoto, dans lequel je fustige un peu le comportement de la femme. Vous savez qui aime bien, châtie bien.
Nous sommes nés de la femme, donc c'est nos mamans. Mais je voudrais, à travers ce titre à Toto, grandir. Si vous avez vraiment envie de savoir beaucoup de choses sur Major, allez-y visiter le site 3.abidjanmedia.net. Vous verrez l'exclusivité du titre à Toto. Le second titre, qui est Benito, vous l'aurez certainement en exclusivité. Mais pour l'heure, allez-y télécharger. Je vous dis bien que je suis le numéro 1 en ce moment, sur ce site-là, en matière de téléchargement. Ce n'est pas fortuit, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait. Je le fais pour vous, donc soutenez-moi et soyez toujours positifs. Paix dans le cœur, ne fait rien avec les jaloux, parce que celui qui est jaloux, il va toujours mériter. Merci.